copaevents.com. Sur Compa Events, ici JOJO, on est avec vous mesdames, messieurs, sur le plateau de Compa Events pour des choses spéciales. Lorsqu'on parle de Compa Events, on vous apporte toujours l'exclusivité, mais aussi des choses spéciales. Notre spécial aujourd'hui, c'est Steve Kay. Steve Kay, l'un des grands chanteurs de cette tendance nouvelle génération de la musique haïtienne, pour ne pas dire Compa, entre guillemets, puisque monsieur c'est tout chanter, on va y arriver dans un instant, mais puisqu'on est sur le plateau avec le monsieur en question, on va justement découvrir tout l'univers de Steve Kay. Steve Kay, c'est un plaisir d'être sur le plateau de Compa Events. Bon, alors je te dis bonsoir et bonsoir à tous les super branchés de Compa Events. C'est un plaisir pour nous recevoir, j'aime dire non, ou gagner un parcours qui long, mais qui paraît coûte devant le public là par rapport à ça que on est. Je dis, nous pourrons parler non seulement de ton parcours, mais aussi de ton début, puisque pas gagné un parcours sans début, bien évidemment. Et en quelque sorte, quand il y a quelqu'un qui a regardé là, qui dit, mais c'est Steve Kay, le jackpot number one, mais oubliez So Cute. Et peut-être quelque chose même avant le So Cute. Et si tu vas remonter dans le temps, et ta carrière musicale, ça a commencé depuis qu'il est. Bon, nous avons une carrière musicale qui a commencé depuis que j'ai atterri sous la terre. Parce que pour moi-même, comme si savoir chanter, c'est un don, c'est inné, c'est naturel et c'est divin. Mm-hmm. Donc, nous avons commencé à partir de là. Mais nous sommes capables de dire professionnellement, j'ai commencé Carize Pétionville. Mm-hmm. Professionnellement, parce que je dis professionnel, ça veut dire que j'ai commencé à faire un coup pour ça. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que professionnel. C'est ça. Mm-hmm. Voilà. Donc, il commençait avec un de mes amis qui est James Jasmin, qui me saluait, qui me respectait en pile, et puis qui sont très bons monde. Mm-hmm. Imagine le rock débuté, et puis parler de monde qui est vraiment comme si connant. Et puis, ma baille, mon parole, comme si pour moi, les caries, parce que les gens qui ont les cannelles, qui ont mis animation, pour moi, ils sont gros bagages, ils comprennent chaque plan dans deux, mais si je veux, mal dit. Et camarade de l'école, je suis allé chanter dans tel bagage, je suis allé à mon appui, je suis allé à très jeune, je suis capable de dire, pour que même 18 ans, même, pour que même dans la phase ça. Et puis, monsieur, de temps en temps, monsieur passe le micro, comme monsieur était chanté, le joue piano, je passe le micro, je chante en époque, c'est époque, et coupable, pas fait moins la peine, et puis la fin d'Haïti, tout le ça. Vous comprenez? Donc, époque Mario Chico, le zouk t'es envahi justement. C'est ça, chanson net française. Mm-hmm. Bah, donc, monsieur, toujours passé mes quoi, me font petit gym. Et, à mon grand étonnement, monsieur, les bah, monsieur, comme monsieur, monsieur, ben, presque 40%. Waouh! Ce n'est pas incroyable, comme si pour un généreux comme ça. Je ne fais presque rien, je chante en musique ou bien deux. Je fais un petit cœur avec eux. Et puis pendant que je finis de jouer Carize, je fais comme si nous avons une journée de communion. Vous comprenez ça? Nous faisons une journée de communion, après ça, nous tournons de jouer Carize. Donc, il commence à partir de là. Mais là, nous sommes en quelle année? Quand je dis année, on dirait zone 80. 93, 94, époque musique, bah, j'ai un vogue, système bien en vogue, tabou combo à fond, mon. Époque ça, vous prenez ça, ma première fois, ma chouboub, chouboub à signer, vous moins. Wow. Vous prenez la première fois, ma prise d'Adobe, vous prenez l'époque comme si César, mais n'est-ce pas? C'est mon. Et puis son gros plaisir, les moins chouboub à fond, chouboub, son équichel, et puis monsieur, oh, j'ai écrit, monsieur, belle, j'ai pris ça, vous signez, vous moins, vous comprenez ça, tout. Donc, et puis le Carize, c'est. Des bouts, Carize. C'est fini. C'est là, après bal, après une série de grandes soirées, tout le monde réuni. Et collectif ça, nous t'es balayons non, ou bien nous t'es justement quitté Carize dans le marché comme promotion pour nous-mêmes? Non, mais le groupe de Cannelle, même pas je fais partie d'un groupe Negio. Okay. Je suis toujours à Negio, comme si je suis là. Son petit clair, vous comprenez, t'as dit, me font un petit gym, est-ce que comprenez, t'as petit ça, débrouillez lui, et puis après ça, on a juste cette belle vue, non, comme si je viens à faire une série de fréquentations à cause de Negio. Vous comprenez, ça me dit, donc je viens de faire ça, tout, qui est un frère, c'est monsieur qui plus t'a poussé, comme si j'allais venir jouer, vous comprenez, pour aller prendre camionnette, les années qui sont 5h du matin, on va prendre un bus, puis cap descendre, ça m'a invité dans la zone, et puis qu'on est là, bon.
maman m'a confié ma monsieur, vous comprenez? Depuis ma monsieur, pas de problème. Chaque vendredi soir, je suis arrivé, je me fais l'appli. Je cours, je me mets sur la tête, je prends un bus pour m'arriver avant tout le monde. Même. Oh, exactement. De Canel, et ça va continuer, ça va camper là. Oui, ça continue. Ça continue. Bon, on a commencé dans l'église chrétienne, maman m'a chanté. On a joué dans une journée récréative, on a chanté dans un jeu de correspondance qui n'est pas encore. Et puis, le premier chant que j'ai chanté dans un jeu de correspondance, c'est la chanson de Walk Vosine. Ok, Hélène. C'est sur le sable. Je me suis dit qu'on petit ménage, peut-être toujours qu'on a chanté la musique ça pour lui. Et puis, il va me chanter, et puis, tellement timide, et puis, il m'oblige de faire mes DG. Première fois que je chantais l'église, je me cachais derrière tout mon net. Je m'en tremblais. Après, faut tu te camper devant une assemblée comme ça. Mais c'est l'église, bah. Et puis maman me dit, ah, j'en cap, on va chercher au sauté de jamba. Quand on était là, donc, et puis l'op fait briller dans la tête, on l'a caillé là-bas, et ça veut arriver devant moun, on fait gare, on fait timide. Donc, bah, il commence à continuer comme ça, continuer, et puis son le. On était avec quelques amis, tout. On était faire musique avec Steve Valcourt, petit Moulo Valcourt. On était avec les Zénith. On était avec les chercheurs, même qui est le Wesley. Et puis avec un frère qui est le Kevli. On passait chercher Ronald. On était avec monsieur Ronald qui joue le keyboard. Non, il est chrétien. Là, il m'a fait cramater. Papa Ronald a fait bruit. Papa Ronald dit, monsieur, t'es là, nous tournons à Cop. Donc ça, c'est moi qui suis chef d'équipe là. Mais tout le monde est sur Valcourt, nous faisons groupe qui est les Zénith, nous commençons à faire gig, faire des gigs nous, et puis par la suite, nous là. Et puis là, je commence à entrer vers ma faire philo et tout philo. Je viens croiser avec ça, non là, mon, pendant mal non, bagaille dans le collège Fernand Prosper. Et puis même côté, monsieur tape grave en guitare, et puis monsieur chanté Margarita. Et puis, je me suis regardé là, regardé comme si vous tapez fond bagage. Je me suis dit, non, je ne vais pas jouer guitare, même qu'à chanter. Je me suis dit que je vais chanter. Je me suis dit, monsieur, je vais chanter, puis tout le monde n'a pas de amis. C'est clair. Et puis, vous avez regardé, vous avez dit, ah, petit, grosse musique, vous avez chanté. C'est quoi là? Bagage. Mais même si vous avez confiance en tête, et puis, je me suis dit, monsieur, frappé, et puis, je chante. Farina et la pluie. Et puis, bâton. Parce que je me suis dit, je vais jouer le jeu de ma vie. Je me suis dit, je vais maîtriser voix. Je vais me chanter même j'ai monsieur. Et puis, c'est le laisser à tout le monde. Je commence à entendre Jim Jemmen en musique. Parce que Jim Jemmen était en France. Je m'entends des voix. Laisse un ami aussi. Je me dis, tant les gens qui chanter, mais qui est-ce que ça m'a regardé? Et puis, mon albinos. Et puis, je me suis dit, ah, monsieur Jim Jemmen. Je suis vivant en France. On a monsieur. Je commence à entrer en Haïti et il m'a entendu monsieur dans la musique qui dit ah Jeffrey, que bagay ou pap, je me connais. Oh, ça c'est comme si yeah, il y a une technique opéra pour chanter en série de musique traditionnelle. Traditionnelle, et puis arrangement au fait, je dis waouh, je voulais que je maîtrise ça tout, je vais chanter. Et puis c'est comme ça. Je chante la musique, puis je ne pas des amis, ça nous aime, ça nous dit, bon numéro, laisse-moi faire quel numéro pour moi même. C'est mon petit ménage de Guinariel chrétien. À l'époque, on m'a dit, puis il est Nancy, et puis je me dis, ah, bon numéro, Nancy, et tout le temps, Nancy. Et puis on le conserve, ça nous aime. Nancy, si tu nous regardes, Big Daddy. Ouais, Nancy, qui est un gros petit. Et c'est ça. Donc on est là, et puis même côté à ça nous. Checkim, le téléphone sonne dans le deuxième moment, et puis je parle à monsieur, je dis, contrôle, je veux contrôle. Et puis je viens à ça nous vient faire appel à Vladimir. Vladimir, je me dis, monsieur, tout a passé dans le chrétien, je viens rencontrer monsieur qui a juste Jean. Ok. Et puis bon, nous disons, on a répété, nous commençons à s'occuper, nous commençons à jouer sans son, marcher, jouer dans la fête, Kaimoun. Nous commençons à rencontrer une série de personnalités, à contacter une série de monde, nous venons jouer des monde qui aiment ça, à faire. Tout le monde invite en nous, on a interprété Boyz II Men, on a interprété Tracy Chapman. Bon, Mali, nous commençons à faire musique par nous, et bien, bah, tout là, il est comme ça.